Donc, donc, mon premier jour passe par là aussi, il faut le filmer. Ah. Donc, je suis arrivé à Abidjan, je vais reprendre à zéro. Je suis arrivé à Abidjan, 13h. Je suis allé à la gare Nord avec mon sac. J'arrive. Je suis allé au gare Nord où se trouvent les bus là. J'ai vu les gens allumés, moi aussi je suis allé m'allumer. Je pensais que c'est comme chez moi à tous les pleurs là. Les massas sont garés ou bien les 22 places. Et puis on monte. C'est en cours de route. Là on encaisse. C'est pas ça? Oui, c'est là. Donc, moi, je suis monté, j'ai suivi les gens, je suis monté. Et moi, je devais aller à Vridi, cité Oual. Et j'ai pris le bus de Benjerville sans le savoir. Ah, j'ai vu les gens monter, j'ai dit bon, ok. Et je suis monté. Le bus a bien décollé. On s'en va en cours de route. Les contrôleurs nous arrêtent. On rentre dans le bus en bloquant bien sûr les entrées pour ne pas que les gens sortent. Donc moi, je suis assis tranquille. Moi, je n'ai pas, je me reproche rien. J'ai mon agent. Voilà. Donc, ils ont fini de contrôler à mon niveau. On dit oui, monsieur, et votre ticket. Je dis non, l'apprenti ne m'a pas encore encaissé. On dit quel apprenti? Je dis l'apprenti, lui qui est assis dans le grillage là. On dit bon, descends. Donc, voilà comment on va me faire descendre. On m'a attrapé comme ça, mon pied droit me touche pas le sol. Donc, après, je vous garde. Donc, on m'a mis dans le véhicule blindé. Il y a grillage au bord. Il y a grillage sur la fenêtre là. Donc, on nous ramène vers le plateau. Donc, je n'ai rien dit, je suis assis. On arrive au poste. On dit voilà les voleurs de bus. Je dis moi, je ne suis pas voleur de bus. Hein. Moi, j'ai mon agent. Il ne m'a pas encaissé. Voilà pourquoi, sinon, il n'est pas refusé de payer. On dit rentre dedans quand même. On m'a mis. Je suis pas trouvé beaucoup d'hommes là-bas. Hein. Les voleurs là. Donc, mais moi je ne suis pas voleur, moi c'est rien. Donc, j'ai passé la première nuit. Oui. J'ai dit au policier qui était au poste là. Grand frère, il dit oui. Est-ce que tu peux me permettre d'appeler mon papa? Il dit, qui a dit ici on appelle parent? Je dis, vraiment, il faut m'aider. Mon papa, même, il est corps habillé comme toi. C'est un douanier. Il dit, bon. Celle-là, il a pris le téléphone fixe. Il a donné le numéro. Et il a appelé, c'est ma soeur qui a pris le téléphone. Et puis, il lui a dit, ah, je suis arrivé hier, les policiers m'ont pris. On dit, il n'est pas payé bus. Oh, moi, il y a mon agent qui me dit. Donc, actuellement, je suis ici. Elle dit, tu es vers où? Je dis, moi, je ne connais pas ici, mais il y a un bâtiment, on est descendu dedans. C'est un sous-sol. Donc, elle m'a dit, bon, elle connaît le coin. Elle va venir me chercher. Et quand elle est arrivée, le bus coûtait 150 francs, le ticket. On a payé 6 000 pour me libérer. Et j'ai dit au policier qui m'a pris là. Il lui a dit, mon ami, moi je n'ai pas dit, je ne paye pas ton agent. Hein. Mais, comme tu m'as envoyé, j'ai dormi ici là. Il n'y a pas de problème. Mais bus, je vais aller remonter dedans. Et là, ma soeur arrive.
Et elle m'a dit non, prenons un taxi. J'ai dit non, moi je vais même bus. Elle m'a dit bon, allons-y. Elle m'a remis dans un autre bus, mais elle avait déjà payé les tickets. Et puis elle est venue causer. Numéro 19. Et quand on est monté, on allait en famille. Arrivé en famille là, tous les frères sont assis, on attend le gaou venir. Yeah. Ça se moquait de moi partout. Je dis vous là, vous n'avez rien compris. Je suis venu à Abidjan, j'ai dormi en prison. Vous aussi, vous allez me trouver au village un jour. Moi, je suis chef au village aussi. Chacun son territoire. Donc, voilà un peu comment j'ai fait mon premier jour à Abidjan. Premier jour à Abidjan, c'est un voleur de bus, un frotteur de bus. Mais est-ce que c'est ma faute? Non, c'est Jean. Est-ce que c'est ma faute? Non, c'est Jean. Chez moi, au village, là, on ne paye pas d'abord avant de monter. Sauf à la gare. La gare, tu vas, tu prends ton ticket et tu montes. Sinon, on s'arrête au bord de la route. Et puis quand le camion vient, là, il gare et puis tu montes. C'est un coup de route. Quand on t'encaisse, même les vacances, c'est pas comme ça. Si, c'est ça. Alors, moi, je n'ai pas refusé de payer, donc moi, je suis pas volé. Voilà, l'apprenti n'a pas encaissé. Et maintenant, j'ai compris qu'il n'y a pas apprenti dans les bus. Et où je partais là, c'est Benjerville. Oh, je devais aller à Vridipobwe. J'ai vu un peu. Donc, le fait de ne pas payer le ticket m'a arrangé. Ah, il allait partir à Benjerville et je ne sais pas qui il allait voir. Il allait chercher encore à revenir. Donc Dieu n'a pas fait ça au hasard. Après à Benjerville, il allait avoir un problème là-bas. C'est bon? Oui. J'ai besoin de quelqu'un pour expliquer son histoire. Boubou. Boubou est là. Boubou. Boubou, voilà. Déjà, il y a un Boubou, il a une très belle histoire. Boubou. Boubou. Sortez. Boubou, ça où? Ah, lui, c'est quoi? Diato. Non, Diato n'a pas d'histoire. Boubou, viens. On écoute. Ta mère con. Elle a mis des films. Vrai, vrai. Mais il prend tout le monde. Écoutez, calmez-vous. Silence. Silence, monsieur, on écoute. Quand je parlais, vous avez tendu l'oreille parce que je suis un chef. Or, le chef lui a donné son vêtement. Je vous parle en tant qu'un chef. Donc, pour cela, allons-y. Top, c'est pas dit. Avance. Je souhaiterais vous faire part d'une histoire qui est la suivante. C'est l'histoire d'un monsieur qui a été désespéré de la vie. Donc comme ça, il a voulu se donner la mort. Pourtant la vie est précieuse. Maintenant, comment il voulait se donner la mort? Il a pris une corde et il est rentré en brousse. Bon, bien avant ça, les gens l'ont demandé pardon, pourquoi il va aller se suicider. Il n'a pas voulu écouter. Donc, il a pris la corde, il est rentré en brousse. Il est rentré en brousse. On l'écoute. Maintenant, arrivé en brousse, il attache la corde sur un arbre et il met la corde sur son cou. Il se laisse tomber. Heureusement pour lui, la corde était un peu touchée. Ça voulait se couper avant. Maintenant, quand la corde a serré son cou, il s'est débattu en gesticulant. La corde est coupée, il est tombé.
quand il est tombé en même temps, il regarde le morceau de corde qui est resté en haut là-bas, il tue son cou et puis il regarde corde là, il dit, hey, corde, merci. Applaudissements pour lui. Si elle veut bien voir, il ne voulait pas mourir. Il va mourir. Il a vu que la mort là, c'est pas facile. Applaudissements pour lui. Il n'a pas fini. Bien, monsieur, lui, j'étais beaucoup envié par la richesse. Donc, il est passé par tous les moyens. Le dernier recours qu'il a trouvé, c'est d'aller chez les marabouter pour avoir l'argent. Maintenant, arrivé chez le marabout lui a donné quelques versets mystiques à réciter dans une chambre seule. Maintenant, il est rentré dans la chambre, il a commencé à réciter le verset au fur et à mesure. Jusqu'à un jour, le jour où il devait être récompensé, le génie est venu. Il a effrayé par tous les moyens, il a pu tenir. Il s'est transformé en chat, tout ce qu'il pouvait effrayer. Maintenant, le dernier test, le génie s'est transformé en crapaud. Le dernier test, le génie s'est transformé en crapaud. Et sa position était, le génie s'est positionné tout juste à l'entrée de la porte. Et il a commencé à s'enfler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour sortir. Et il crie sur le monsieur, qu'est-ce que tu veux? Le monsieur répond, la porte. L'argent lui a dit la porte. Là, Dieu peut lui donner le temps. Il y a 3 minutes. Applaudissements pour lui. Yannongo. Oh, attendez. Oui. Mais lui, il n'a pas fini. Bon, je vais vous dire une dernière chose. Oh monsieur, on va suivre ça là-bas. Bravo. Pour la somme, oui. Bravo. Il a mon plat à midi. Là, il dit non que le génie s'est transformé. Et, en crapaud. Tiens, pourquoi vous me filmez aussi? Vous me filmez pas, moi je sors pas. Vous pouvez trouver un autre nom, hein. Voilà. Il n'a pas dit ça, mais c'est moi. Monsieur, on se lève, il est là en partie. Calme-vous. On te met dans la barre.